Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sentimental des Capricornes. Ce sera pour le mois d'avril 2021. Donc, je commence les tirages sentimentaux amour pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, bien sûr, comme toujours. N'hésitez pas aussi à aller regarder votre signe ascendant si ça ne vous parle pas totalement. Ça peut vous aider. Et puis, vous pouvez me demander une guidance pour votre situation si ça vous est nécessaire sur l'amour ou le général en écrivant sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Donc là, on va recommencer par les Capricornes pour monter vers les Verseaux. Ah, voilà, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, de me soutenir en espérant que les soucis se règlent. Je suis toujours en contact avec YouTube. Oui, c'est bizarre, hein. Il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup de choses problématiques. Bon, moi, on m'a confirmé que c'était plutôt de la magie de collègues, comme toujours, de la jalousie, qu'on me fait des blocages, donc les vues ne montent pas. Bon, mais on va espérer que ça va se débloquer, que vous allez être de nouveau présent, que je vais retrouver mes vues, et je le souhaite de tout cœur. Pour ce tirage sentimental, ce sera assez complet. Je vais prendre trois cartes des énergies pour votre mois d'avril 2021. Je ne sais pas si j'ai dit mars. Non, avril 2021 en amour. On verra si ça sortira pour le célibataire ou pour le couple. J'essaie de voir. On va voir pour les deux. D'accord? Avec trois oracles que j'ai, l'Améthyste Love, le Line of Love et l'oracle coup de cœur. Assez complet, pardon. On va tout de suite voir une énergie. Donc, c'est plutôt un message ici. Donc, on va demander. Au Capricorne en amour, Capricorne amour pour le mois d'avril 2021. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qu'on a comme message? On parle de la jeunesse ici, de vie amoureuse en plus. Love life, hein, ce n'est pas toutes des cartes d'amour, elle nous parle de la vie amoureuse, oui. On dit que les questions que tu te poses vont trouver réponse dans ta vie romantique qui est en train de changer pour le meilleur. Et ça, c'est déjà très positif. Ça veut dire qu'on avance les Capricornes vers une amélioration de votre vie sentimentale. On avance dans le bon sens. Ça va avancer vers le mieux. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Changing for the better. Changer pour le meilleur. Et puis, une espèce de joie de vivre, de légèreté qu'on retrouve ici pour les Capricornes. En tout cas, il n'y a pas de prise de tête. C'est ce qu'on nous dit pour ce mois d'avril. Mais on parle bien de vie sentimentale. Les Capricornes. Alors, l'énergie au niveau du tarot. J'ai pris ici le romantique tarot. Les Capricornes en amour pour le mois d'avril 2021. Capricornes en amour. Le mois d'avril 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message? N'hésitez pas à regarder les dernières vidéos pour celle de la semaine, pour ce qui vient à vous donner 10 jours. D'accord? Les Capricornes, on va prendre celle-ci. Ah, la roue de la fortune. Et ici, c'est sympa dans ce tarot parce qu'on a la pelote. Alors, la roue de la fortune veut dire que la situation, avance. À nouveau, comme ici, il y a un avancement de votre vie sentimentale, positif en plus, léger, parce qu'on parle de chance aussi, d'opportunités à saisir, et que s'il y a eu blocage, parce que là on voit la pelote qui est toute emmêlée, et elle se démêle, donc ça veut dire que ça reprend s'il y a eu des blocages justement. Ça avance. C'est pour ça que j'aime bien la pelote parce qu'elle nous dit qu'il y a eu quelque chose qui était emmêlé, embrouillé ou bloqué qui maintenant se défait. Et on nous dit aussi qu'il faut saisir les opportunités, saisir ce qui se présente à vous. C'est la chance. C'est aussi un redémarrage au niveau amoureux après peut-être une période de froid ou d'être pas trop dans l'envie par rapport à l'amour. Vous étiez peut-être pris ailleurs, dans votre tête, on va dire comme ça. Et là, on aura un petit message aussi pour les Capricornes en amour pour avril 2021. Il y a un bel avancement. Capricorne amour, avril 2021. Oui, en parlant d'avancement, ben voilà, on a le bateau égyptien ici, on a Horus.
Alors, c'est un bateau, mais en même temps, il est porté par un oiseau. Donc, il y a vraiment cette énergie de mouvement, d'avancement, de changement. Hein. Il y a un changement ce mois d'avril, une légèreté qui revient, un déblocage. On nous dit que tu es en train de voir la situation différemment. Ok? Et je vous montre la carte. C'est Horus, le message. Regardez, donc l'avancement, il y a le bateau déjà qui nous dit qu'on avance, beau bateau égyptien, et Horus, c'est le dieu, c'est l'aigle qui porte le bateau. Donc il nous permet d'avancer. Il y a aussi la lune derrière, on peut voir l'intuition. Donc il y a vraiment un avancement intéressant, important ici pour les Capricornes. Je ferme. Voilà, on va regarder avec les oracles. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Capricorne. Alors, en amour pour le mois d'avril 2021. Capricorne en amour. Avril 2021. Il y a une carte qui est sortie ou qui peut parler du passé où vous avez eu le cœur blessé il n'y a peut-être pas longtemps. Capricorne, avril 2021. Je vais regarder la coupe. Il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un commencement. Il y a bien un renouveau. On a envie de, déjà, peut-être maintenant. Hein, et puis ce mois d'avril, vous aurez envie de vous remettre en relation, de vous remettre en couple, de recommencer votre vie sentimentale, mais après avoir guéri, avoir pensé des plaies par rapport à quelque chose de difficile que vous avez vécu sentimentalement et qui vous a blessé. Il y a une protection spirituelle. Ah, il y aura peut-être un coup de foudre durant ce mois d'avril. Alors, soit une personne un petit peu superficielle et quelque chose qui peut avoir un lien avec le karma. Donc, un coup de foudre pourrait arriver, qui est décidé par là-haut. Donc, il y a un démarrage, oui, avec un homme ou avec une femme, c'est égal, et qui pourrait apporter le bonheur. Ah, on nous dit non, attention triangulaire. Ou bien on nous dit il n'y a plus de triangulaire ou quelqu'un qui était en triangulaire précédemment. À voir. Mais il y aurait une rencontre ici. Hein. On va prendre 5 cartes. Les Capricornes, avril 2021. Donc le mois d'avril, ça va jusqu'à la fin avril. S'il y a des rencontres, si on vous promet des choses, essayez de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous mettre en circonstance de rencontre. Et puis aussi, attendez, si c'est maintenant que vous voyez le tirage, que vous dites, mais j'ai pas de rencontre. On n'est même pas en avril, donc ça peut aller jusqu'au début mai. Vraiment, soyez dans l'extension du temps. Oui, il y a eu alors de la tromperie, une séparation, on est encore dans cette histoire de passé. Alors, je vais voir pourquoi on parle de ça maintenant, parce qu'il y a vraiment une très belle ouverture ici pour le mois d'avril. Bon, on va dire que pour certains, vous allez vous séparer, si ce n'est pas encore fait, d'une personne qui vous trahit. On a vu la tromperie avant, de la triangulaire. Alors, je pourrais voir ici, oui, vraiment séparation d'une personne qui n'est pas honnête. Vous allez découvrir qu'elle n'est pas honnête avec vous du tout. Mais peut-être que vous allez justement lui annoncer que ce n'est pas ce que vous désirez, hein, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous l'avez découvert. Il y a les messages que vous envoyez et on nous dit que c'est une personne qui est superficielle, justement qui ne veut pas s'engager. Mais on voit que le bonheur revient par la suite. Donc c'est quelque chose que vous avez à régler ici. Hein, donc à régler pour une nouvelle vie. Là, il y a, je dirais, ces 4 cartes, c'est un petit peu je règle la situation. Parce que moi, je vais rasser cette personne ici, plutôt superficielle, qui ne veut pas s'engager. Vous allez rompre, ou vous avez rompu déjà. Mais on voit qu'il y a une très belle amélioration. Une rencontre ici avec un cancer Lion-Vierge. Je vais faire une ligne, et puis je vais couvrir. Donc, il y avait la rencontre, je vous avais dit. Et alors, il y a une rencontre importante pour moi, parce qu'il y a avec le bonheur, suite à ce que je vous ai vu, ce que j'ai vu en dos de deck, où vous étiez seul dans une relation
ou la personne avec qui vous étiez était plutôt avec quelqu'un d'autre, ou donner son énergie pour une autre personne, voilà, et que ça se termine. Ouais, la crise. Alors pour moi, il y a encore cette énergie dans le mois d'avril. Il y a la fin. Il y a une situation qui vous fait mal, vous mettez fin. Voilà. Tout simplement parce que vous avez envie de repartir sur des autres bases, vous avez compris d'autres choses, vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie de quelque chose de léger, de positif, et vous voulez plus ce genre d'histoire. Je pense que vous le verrez, bon, espérons rapidement, hein. D'accord? Vous allez l'avertir que vous ne voulez pas continuer pour moi. Quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Moi, je pense que vous voulez quand même une relation sérieuse. Je vous ai dit Cancer, Lion, Vierge. Ça va beaucoup s'améliorer. Donc, peut-être ça va prendre un petit peu de temps encore dans le mois d'avril pour que ça se règle, pour que vous vous remettiez, hein, pour que les choses se débloquent ici, pour que ça avance. Mais il y a une rencontre. Je vais la mettre quand même ici à la fin. Il y a une rencontre qui est au dos de deck qui est vouée à quelque chose de positif pour les Capricornes. On continue. Les Capricornes, amour pour le mois d'avril 2021. Le mois d'avril 2021. Donc, c'est pour ça que je fais général ici. Comme ça, on voit il y a des situations pour les couples, des situations pour les célibataires. On voit un petit peu ce qui se passe comme ça. Alors, Capricorne, avril 2021. On va regarder la coupe. Moi, j'aime bien les énergies parce que déjà, rien que ça parle beaucoup. Il y aura effectivement des courriers, il y aura effectivement un coup de foudre. Ouais, il est sorti deux fois le coup de foudre. Attendez-vous à un coup de foudre. Moi, si je serais à Capricorne, je marquerais en gros dans mon agenda, avril, coup de foudre. Vous y attendrez pas, ça va vous tomber dessus parce qu'on avait derrière la carte du spirituel, des anges. Donc, c'est organisé par l'univers qui veut vous voir heureux. Hein. On a un coup de foudre, oui. Il y aura peut-être. Comment expliquer? On va voir. On veut quelque chose de léger, on retrouve l'équilibre et on a besoin de changement. Il y a des bonnes cartes. Là, on dit que vous allez peut-être avoir ou correspondre avec cette personne que vous allez rencontrer, ce coup de foudre. Hein? Et là, on nous dit que c'est une chance, qu'il y aura beaucoup de communication après de la colère et des perturbations. Oui. Oui. Ok, moi je note coup de foudre. Mais les couples, vous allez vous séparer pour certains d'entre vous parce que un des deux, je pense, je sais pas qui, est pas. Moi je pense que c'est pas le Capricorne. Je pense que c'est votre partenaire qui, comment expliquer, ne s'engage pas et n'est pas sincère avec vous. C'est ce que je ressens vraiment là. Hein. Alors. Avril, Capricorne, avril 2021, Capricorne, avril 2021. Après, on va regarder le dos de deck. J'espère que vous allez bien. Oui, il y a une séparation, une guérison, une délivrance. Il y a à nouveau ce côté spirituel, les anges vous aident. Vous allez. Où vous vous sentez rejeté, où vous allez rejeter cette personne. Donc, moi, je pensais qu'il y aurait déjà des énergies que de rencontres ou de guérison, mais on voit que pour certains couples, la rupture se fera ce mois-ci, ce mois d'avril, où est en train de se faire, où vous êtes en train d'y penser, parce que vous découvrez que la personne, il y a le cœur qui est séparé en deux là, à quelqu'un d'autre. On a vu la triangulaire, on a la tromperie, et on a aussi. Peut-être une personne qui est fausse. Vous avez découvert qu'elle n'est pas comme elle prétendait l'être. Vous avez une guérison à faire? Oui. Hein, c'est ça que c'est cette période aussi du mois d'avril. Un avancement après une rupture. On sort des problèmes. On sort de ces difficultés. Hein, de la roue. J'adore cette carte, cette guérison. Les papillons, on retrouve les papillons. Je vais mettre cette carte ici. Il y a eu un rejet. Alors, ça peut être deux choses. Rejet. C'est soit vous qui rejetez cette personne parce que vous ne la voulez pas, c'est pas le style que vous voulez pour certains.
et puis où vous vous sentez rejeté, hein, et ça vous fait du mal parce que l'autre, votre partenaire, s'occupe plus de l'autre personne ou d'une autre personne, ouais, une tierce. Comme avant, on a l'espoir qui revient, c'est-à-dire qu'il faut garder vraiment l'espoir et en même temps vous dire qu'il y a la petite étoile spirituelle qui veille sur vous là-haut, comme je vous ai dit. Oui, tu es d'accord? Pour vous dire, ben, tu as bien travaillé, c'est la carte du travail, tu as bien travaillé, tu ne restes plus dans les relations qui te font du mal, tu as fait ce qu'il fallait pour que maintenant tu puisses recevoir du positif. Garde espoir, garde la sérénité, tu vas être guidé et confiance. Ok? Dos de deck, je voulais voir. Donc il y a le coup de foudre que je vous ai dit, qui est une chance, qui va vous apporter aussi quelque chose de loyal, de fidèle, une bonne rencontre. Moi, je vois une bonne rencontre qui change totalement de ce que vous aviez eu précédemment. Capricorne, c'est super ça. Capricorne, avril 2021. Merci beaucoup pour les derniers messages que j'ai eus sur mes dernières vidéos. J'essaie de parler un peu avec mon cœur. Je vous remercie beaucoup pour ces gentils messages de soutien. En espérant, c'est déjà ça, parce que ça me fait du bien, bon, dans le sens, mais ce n'est pas dans le côté égotique, c'est que je vois qu'il y a de la présence, de l'écoute. Merci, en tout cas. Et puis c'est vrai que j'avais dit, il faut que j'explique un petit peu plus en détail peut-être ce qui se passait, mais je sens que ça va s'améliorer. Voilà. Je le sens même là dans le tirage. Capricorne. Qu'est-ce que nous dit la coupe Capricorne pour l'amour en avril 2021? Donc, ah, oh, un retour. Là, on nous dit qu'il faudra agir par rapport à un retour. Agir dans le sens. C'est possible qu'il y ait un retour. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Ouais, il y a une attraction, mais une personne qui trompe. Retour de la personne qui a trahi, qui va vous faire une surprise. Bon, bah, moi je dirais laissez tomber. Parce que bah, cette personne, elle est là, elle est là. Ouais, parce que celle qui est en rapport à la trahison voudra revenir. Là, c'est ce qu'on dit. On la reprend pas. Hein. Elle veut faire une surprise. Non, on nous dit qu'il faudra guérir de cette histoire. Non, non, et non. Alors, beaucoup de cartes ici, l'oracle coup de cœur, les Capricornes pour le mois d'avril 2021. Après des choix à faire. Je vais faire comme ça. Alors, choix à faire. Ok. Quelques soucis, oui, ben bien sûr, c'est pas réglé totalement, on voit. Pour certains qui sont en couple, ceux qui sont célibataires, ça ne vous concerne pas, ça. Hein. Ce qui vous concerne, c'est que on vous entend là-haut et on va vous apporter une rencontre. Le blocage ou l'enfermement qu'on avait s'ouvre. Il y aura, oui, comme je vous ai dit, une occasion à saisir. Il y a la vie sentimentale qui revient sur le devant de la scène et les choses avancent. Là, l'oracle coup de cœur nous dit que vous avez un choix à faire, certains. Une décision à prendre. La décision pourrait être un break plutôt qu'une rupture. Moi, quand je vois ça, c'est souvent la rupture qui est après. Hein. Elle vient quelques cartes après. Donc, quelques soucis qui vont avec. La personne avec qui vous allez faire un break, soit elle va vous suivre, elle ne va pas vous lâcher en visuel, qu'est-ce que vous faites, où vous êtes, peut-être pour un retour, comme on l'a vu. Ou soit vous avez ici quelque chose qui se prépare, une relation qui se prépare, donc la gestation. J'espère qu'on voit. Ouais. Quelque chose qui se prépare. Pour moi, c'est pas une grossesse ici, c'est une relation dans l'univers. Cette personne, peut-être, vous connaît déjà par les réseaux sociaux, par des sites, ou qui vous a déjà vu. Voilà, quelqu'un qui vous connaît déjà.
Ok? Donc on avait dit le retour, c'est non. Il voudra vous faire une surprise, mais c'est celui qui a trahi. Moi, je dis non. C'est ça qu'on a vu la coupe tout à l'heure. Et puis, je ne vais pas prendre de cartes conseil parce qu'elles vont directement au début du tirage. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Voilà, j'espère que ce tirage sentimental vous plaira et parlera autant au couple qu'au célibataire. Et je vous souhaite bonne chance de cette rencontre coup de foudre qui terminera en happy end. Voilà, chers amis Capricorne, merci pour vos retours, vos vues. Et on se retrouve tout bientôt. Au revoir, à bientôt.